Donald Trump risque-t-il d'être renvoyé de la présidence des États-Unis? Le président des États-Unis est soupçonné d'avoir été aidé par la Russie, un pays pas franchement ami avec les États-Unis, pendant l'élection présidentielle. La justice lui reproche aussi d'avoir essayé d'empêcher le FBI, la police, d'enquêter sur ses soupçons. D'après certains spécialistes, Donald Trump risque d'être destitué, renvoyé. Aux États-Unis, il existe une procédure de justice que l'on appelle l'impeachment. Elle permet de juger et de destituer le président s'il est reconnu coupable de trahison, de corruption, de crimes et délits majeurs. La destitution du chef de l'État se joue au Congrès. Si les députés ont des doutes sur sa culpabilité, ils peuvent mener une enquête. Ensuite, ils votent pour ou contre l'impeachment. Si la majorité vote pour, le président est alors jugé devant le Sénat. Et si les deux tiers des sénateurs le jugent coupable, you're fired. Bye bye. Aucun président n'a jamais été destitué aux États-Unis, mais trois ont failli l'être. Andrew Johnson en 1868, puis Bill Clinton en 1998. Tous les deux ont été déclarés non coupables par le Sénat. En 1974, Richard Nixon a préféré démissionner avant le début de la procédure. Il était accusé d'avoir voulu cacher une célèbre affaire d'espionnage politique, le Watergate. Selon vous, Donald Trump mérite-t-il d'être renvoyé de la présidence des États-Unis? Pensez-vous qu'un président de la République doit être jugé comme n'importe quelle autre personne ?